Donc on est lundi matin, il est 2h30 et je pars du dépôt. Donc là j'ai 3 clients à faire. Le premier, je vais vous dire bonjour parce que l'autre jour j'ai oublié de vous dire bonjour. Donc bonjour à tous, nous sommes lundi matin. Il est 2h30, nous partons du dépôt. Et donc je vais à côté de... Alors, je peux dire où je vais exactement, mais à côté de Mayenne en gros. Et ensuite je monte à côté d'Avranches pour le deuxième. Et j'ai un troisième client à faire, mais je le ferai que mardi matin. Encore en dessus, donc je vous en dirai plus plus tard. Donc là je me dirige vers la station de Gasoil. Car nous rentrons le vendredi vide le plus possible pour éviter d'avoir du gasoil dans nos réservoirs. Et voilà, donc comme tous les lundis, je veux du gasoil et après on est parti pour une nouvelle semaine. Donc il fait un temps pas terrible aujourd'hui. Mais bon voilà, après. Et là nous sommes donc le 31 août, je crois. Oui, c'est ça, 31 août. Donc l'été est fini. Non, l'été est officiellement pas fini, mais bon, quand le mois d'août est fini, en général, pour moi, et comme disait Eve hier, on range le barbecue et on sort l'appareil à raclette. Hein. Mais bon. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Donc là on est reparti, je viens de faire mon plein de gasoil et quand je suis arrivé au gasoil il y en a un qui était en coupure dans les pompes, donc il lui restait 3 ou 4 minutes à faire. Il me dit est-ce que ça te dérange, je lui dis bah non vas-y, il n'y a pas de problème, même si je trouve ça un peu con de faire la coupure dans les pompes à gasoil, mais bon c'est comme ça, tant que tu perds pas une demi-heure c'est bon. Et donc là nous sommes repartis, mais je suis en train de chercher pourquoi que le GPS il veut plus se mettre en jour en nuit, mais je ne sais pas pourquoi. Donc on va le mettre en manuel. Donc je suis à 449 km du client. Et là on rechoppe la RCA qui normalement est ouverte, mais alors franchement il n'y a rien de sûr. Parce qu'apparemment à partir d'aujourd'hui ils vont la bloquer à l'autre sortie d'Igouin. Donc on verra bien, là on va prendre déjà tant que c'est pas bloqué. Et puis on verra bien ce que ça dit. Et puis voilà. Bon allez, je vous reprends plus tard. Donc là je suis à allez, 40 minutes de mon client. J'ai pas trop pris cette nuit parce que de toute façon c'est un peu il n'y avait rien de terrible quoi. Musée de la deuxième guerre mondiale. Que chez nous hein. Tolé quoi. Interdit au 35 à 400 mètres. Saint-Rémy-de-Tillé.
Je sais pas ce qu'elle avait fait, petite dame. Monsieur, petit monsieur plutôt, c'est bonne dame. On est obligé de faire le tour, en fait on fait le tour du village pour revenir plus haut. Pour reprendre toutes les intersections en ligne droite en fait. Sinon on arrive à un angle droit. Et... c'est pour fluidifier la circulation. Point. Je veux bien qu'il n'y ait pas réellement un rond-point, mais bon, quand même, quoi. En plus normalement on n'est pas lourd, mais ce que j'ai chargé devant, il y a lourd en fait. Le premier client que j'ai chargé, il y a lourd. Ah bah on gagne attendre. Le premier client que j'ai chargé, hein, ça passe. Et lourd, donc parce que pour ce que je vais livrer là, il y a quoi, il y a 2 tonnes je crois. Et 6 mètres de plancher, 2 tonnes. Que j'ai des abonnés ici. Je sais parce qu'une fois il y en a un qui a cru que c'était lui qui était garé devant moi en fait, qui se garait. Et non, c'était pas lui apparemment. Il y en a plusieurs fois et c'était pas lui. Là, je sais pas si en vidéo ça se voit bien, mais là ça grimpe, hein, mine de rien. Je vais être à quoi, à un quart d'heure de mon client maintenant là, à peu près. Sur le GPS, j'ai pas mis, j'ai mis le nom de la commune, j'ai pas mis réellement où était le client. Ça circule bien aujourd'hui. Bon. Ça, ouais, putain.
plus vert que chez nous quoi. Quand tu vois les fougères et tout, nous c'est juste tout cramé. Hein. Va pas trop vite Laurent, tu vas encore attirer les haineux. Sur le petit commentaire qu'il y a eu l'autre jour là, je vais juste faire une petite parenthèse vite fait parce que je m'en fous en fait, mais le mec il te dit que t'es, je suis à la limite un assassin, un criminel parce que je roulais à 90 sur une route où il n'y a aucun danger, hein. Il y a juste lui qui trouve qu'il y a un danger, mais bon, et vous voyez là je roule, je suis à 70 là, sur la même route, hein. C'est quasi la même route, hein. C'est le même voilà, il y a un peu plus de virage, mais la seule chose c'est qu'il sait même pas le gars comment tu es chargé, qu'est-ce que tu as dans la remorque, et il se permet de te critiquer, de dire que t'es un assassin, un criminel. Et en fait, comme a dit Yannick, Yannick l'a repris dans les commentaires, parce que je sais pas si c'est lui qui a supprimé le poste ou si c'est un de mes modos, mais Yannick l'a dit dans les commentaires, en fait, ça, c'est bizarre, parce que le gars, ce gars-là, tous ses messages, en fait, c'est que des messages pour gueuler, pour dire que c'est de la merde, que si, que ça, donc si ça lui plaît pas, en fait, la meilleure chose que je lui conseille, c'est de pas regarder, quoi. Parce que c'est tellement facile de critiquer les gens derrière un clavier. Après voilà, il y en a qui respectent tout, bah tant mieux pour eux. Moi j'ai jamais dit que j'étais irréprochable, hein. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je fais pas de vidéo dashcam, comme je l'ai toujours dit, parce que si pour eux tu fais de la vidéo dashcam en disant ah bah lui il fait une connerie, bah faut être sûr que toi t'en fasses jamais quoi. Mais bon, ça en fait ça m'a pas dérangé parce que j'ai même pas répondu, hein. J'ai même pas pris le temps de lui répondre à ce gars là si je lui ai répondu vite fait, je sais plus quoi. Voilà, j'ai répondu vite fait, je sais même plus, mais j'ai même pas persisté, non, j'ai pas répondu. J'ai répondu à un abonné à moi qui répond, j'ai vu que ça l'énervait. Je lui ai répondu, ne perds pas de temps à échanger avec des gens comme ça. De toute façon, ils auront toujours raison. Donc, y a des messieurs parfaits, malheureusement, il y en a toujours, mais... Monsieur parfait, irréprochable, dans les commentaires, il y en a tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc je sais pas si c'est... J'ai encore pas parlé avec mes modos. D'ailleurs on en a pas parlé parce qu'on a franchement aucun intérêt quoi. Mais je sais pas si c'est lui qui a supprimé son poste ou si c'est un modo qui l'a supprimé. Mais de toute façon, dorénavant, maintenant ça sera supprimé d'office quoi. Dès que ça commence à créer polémique, pour rien. Parce que c'est pour rien, franchement, mec... qui va te faire la morale parce que tu roules à 90, pff, oh là là, il a pas d'autres problèmes dans la vie ce mec là quoi. Et surtout s'il traîne sur YouTube et il reprend tous les gens qui font des conneries, bah franchement les mecs qui roulent à 90 au lieu de rouler à 80, il y a franchement plus grave sur YouTube quoi. Donc il aille s'occuper de ça au lieu de s'occuper des au lieu de s'occuper de mes comme de ma chaîne quoi, parce que franchement j'ai pas besoin de lui quoi. Et comme je dis toujours, moi je ne cherche pas à avoir des abonnés, hein, donc il peut se désabonner, c'est pas un problème. Moi ce que je cherche, à avoir une bonne communauté, donc voilà. Tout le monde le sait, toujours les 90, hein, le mec il se réveille au bout de 3 ans, 2 millions de vues, oh, il roule à 90, mais ça fait 3 ans. Mais... Et puis voilà, puis dans la vie, j'ai fait des choses bien plus graves que ça, alors je vois... qui sont pas reprochables, qui sont pas recommandables d'ailleurs, mais qui... Voilà. Après chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais bon, le mec s'il est pas content, il met c'est pas bien tu roules à 90, mais déjà il m'insulte pas, il me manque pas de respect. Parce que là c'était quand même limite, c'est vrai que c'était limite quoi. Mais voilà. Mais en ce moment là il y a eu un lâché, je sais pas, il y a eu le petit jeune aussi l'autre jour là. J'ai partagé sur Insta. Je sais pas ce qu'il a voulu se prouver lui encore. Hein. Donc maintenant ça sera vite vu, hein. De toute façon que ce soit sur n'importe quel réseau, je bloque et puis on n'en parle plus parce que j'ai pas envie de me faire chier et perdre mon temps avec ça quoi. Je passe déjà tellement de temps sur YouTube, sur les vidéos, à monter les vidéos, à faire tout ça, que j'ai pas envie de répondre à des gens de ce type là. Je préfère perdre mon temps, bah, entre guillemets perdre mon temps à répondre à quelqu'un qui pose une vraie question, plutôt qu'à quelqu'un qui est haineux et qui de toute façon quoi que tu lui dises, il aura raison. Donc voilà.
disait dans le commentaire. Voilà, vous voyez, là, c'est quasi la même route. Hein. Là, je suis à 70, quoi. Là, forcément, je suis chargé. Donc, je sais qu'il va falloir beaucoup plus de temps pour freiner. Il va falloir. Et puis, merde, j'ai pas à me justifier, en fait. Voilà. Sinon il fait beau hein. Bien content, je vais vider ça là. J'avais dit, Vincent m'a dit oh, tu vas pour 11h, je vais être 10h30. Je vide, après je vais à mon deuxième et puis à mon avis j'aurai plus d'heures après mon deuxième, si peut-être encore un peu, je sais pas, mais on verra bien. Bien. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là, bah, il est 11h30. Je viens de me faire mes deux livraisons. Donc là, je vais faire ma troisième. Et notre vitesse, ça ira mieux. Ça va avancer. Ouais, donc je dis, bah, je vais au troisième là. Et puis la quatrième, bah, je la ferai demain. Donc il fait un temps magnifique. Hein. Je suis à. Comment ça s'appelle, Villaine-la-Juhel. Et là je vais à Avranches pour le prochain. Et on verra, déjà il va falloir que je coupe, falloir que je fasse une coupure pour pouvoir monter à l'autre d'après. Et j'y serai en début d'après-midi. Et puis on verra ce que ça dit. Normalement, de toute façon je peux vider celui-là, mais après l'autre ce sera trop loin. Donc. Y aller aujourd'hui, donc on va déjà faire ce qu'on peut, puis après on verra. Allez, donc là je suis en direction de mon deuxième client, troisième client à Avranches, quoi. C'est juste pour voir comment c'est plus vert, comment c'est vert par rapport à chez moi, quoi. C'est un truc de fou, hein. Où le maïs il est cramé, il n'y a plus d'herbe sur les bas côtés, c'est dingue, quoi. Ça nous ressemble plus ça. Qui est là. Puis même, ça repousse dedans, c'est un truc de fou. Hein. Chez nous, c'est tout cramé par rapport à là. C'est quand même bien vert. Hein. Putain, disons, ça fait bizarre même. Ça fait bien bizarre. Donc là je vais chez le client, je vais y être vers 14h dans les 40 minutes avant là. Et après je sais pas ce qui va me rester pour aller à l'autre. Je sais pas si je vais pas avoir les heures pour y aller, j'en sais rien. En fait je vais y aller. Puis je vais appeler Vincent, surtout savoir qu'est-ce qu'il m'a prévu pour après. Donc s'il m'a prévu s'il a un chargeur à retour. À charger demain matin tôt, bah, j'y vais tôt à la première heure, et puis si il a rien, bah, j'y vais un peu plus tard. Puis s'il a qu'un truc à charger en fin d'après-midi, en début d'après-midi, bah, j'y vais carrément plus tard. Donc je vais voir avec Vincent une fois le deuxième vidé exactement comment je m'organise pour le dernier, quoi. Ça sert à rien d'aller le vider à 8h pour perdre de l'amplitude et à rien. Puis se lever pour rien surtout. Mais j'en reviens quand même pas, comment c'est vert, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Chez nous, ils seraient heureux, les agriculteurs. Hein.
Allez. Donc, on est toujours, je sais plus, lundi. Je viens de vider mon client à Avranches. Et là, je remonte tout au nord, en fait. J'ai même pas regardé exactement par où je vais. Je vais y aller dans pas longtemps. Je vais tout doucement, parce que sinon, vous allez chuter. Et puis, se garer comme une merde, mais par contre. Mais tu laisses passer pour qu'il se gare, mais oui, il est gentil. Il aurait pu se garer un peu mieux. Ouais, je remonte tout au nord là. Donc je sais même plus exactement. Les gars, vous êtes gentil, mais ça passe pas quoi. Heureusement que je suis bon quoi. Mais sinon, ça passerait pas. Ça va, mes chevilles, ça va. Donc oui, j'étais en train de dire, faut que je regarde quand même où c'est que je vais quand même. Vu de l'ensemble, bah c'est tout en haut quoi, il n'y a pas à chier, hein, c'est tout en haut. Après, bah, y a l'océan quoi, la Manche quoi, l'océan. Tonneville, à côté de Tonneville en fait. Pour ceux qui connaissent, c'est à Sainte-Croix-sur-Hague. Ah bah voilà, j'ai fait attention, mais non. Donc ça arrive demain matin parce que forcément je suis pas à côté quand même. Et niveau timing ça va commencer à coincer un peu. Il me reste 1h20 à rouler et je suis à 140 km du client. Donc autrement dit c'est mort. Toi t'as un stop, hein. Non, tu me fais ton stop, hein. Je suis en train de me couper, mais t'as un stop. Putain, vous allez m'en vouloir à force que je vous fasse tomber toutes les 2 secondes. Hein. Et puis ben voilà, donc ben, une bonne journée de fête. Hein. Pas trop de kilomètres, mais la route, beaucoup de national quoi. Ben, beaucoup. J'ai fait l'autoroute entre Bourges et Romorantin. Et la sortie Romorantin. Donc une 20aine de bornes. Et puis c'est tout là. C'est tout. Donc voilà. Forcément tu fais moins de kilomètres. Et tu fais des consommations qui sont moins bonnes, mais bon. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que les deux clients sont livrés. Ils attendaient, c'était un express, c'était un impératif de livraison aujourd'hui, car ça part sur le chantier demain matin. Et voilà. Donc, mission accomplie. Hein. C'est 15h, ils ont les tourets. Ils vont pouvoir les charger dans leur camion pour que ça parte demain. Donc voilà, bonne chose de faite. Bon allez, je vous reprends plus tard. Donc en fait, je viens de regarder plus exactement, c'est à quoi, 10 km de Cherbourg quoi. Dans un petit bled de rien du tout, il y a deux boutiques. Il y a celle que je vais vider en fait. Donc c'est un endroit où je ne suis jamais allé. C'est un des rares endroits en France que je suis jamais allé aussi haut quoi. Et voilà, bah ça sera fait. On peut ajouter ça. Bah ton cône il est décédé toi, c'est obligé. Hein. Bah ouais. Hein. On va pas taper les trottoirs pour les cônes en plastique. Donc je sais plus ce que je disais. Bah c'est la première fois que je vais monter aussi haut quoi. On verra bien ce que ça dit. Voilà, c'est les BM je sais pas quoi là. Je pense que ouais, maintenant il faudrait que je prenne une carte un jour puis je regarde à peu près où c'est que j'ai été, mais à mon avis j'étais partout donc il n'y a pas bien des endroits où j'ai pas été en fait. De voir de l'herbe verte. Je fais un blocage là-dessus aujourd'hui, j'ai l'impression.
bien de chez moi quand même. Les paysages, les maisons et tout, ça n'a rien à voir. Gazole 1,40, j'ai fait le plein ce matin à 1,19 chez nous. Bâtiment, c'est une usine, je sais pas ce que c'est. C'est un moulin, non? Non, je sais pas, il n'y a pas de flotte. Four à chaud. Il y a un four à chaud là dans le coin. Hop, donc je m'en vais de mon dernier client en fait, je viens de vider. Donc on finit chez eux et eux relivrent chez un client, tout simplement. Et ça va sur le chantier de l'EPR. Et puis bah voilà. Donc là je vais recharger, faut que je regarde d'ailleurs que c'est exactement. Ça se traverse en bas. Faut que je regarde exactement où c'est. On va regarder. Je crois qu'il m'a dit Louvigné.
Bon, je vais rappeler Vincent parce que c'est pas clair en fait son truc là. Donc je viens de regarder. Enfin, je viens de regarder. J'ai rue Vincent et en fait je suis à 200 km. En même temps, vu où je suis là, il y a franchement que dalle. Donc de toute façon, il n'y a pas trop le choix que d'aller là-bas quoi. Et puis voilà, donc on verra bien. On est parti pour aller charger, je ne sais pas encore pour où je charge en fait. J'en sais rien du tout. Il m'a dit tu descends et je t'envoie un message. Ah bah j'ai reçu un message, c'est peut-être lui, non c'est pas lui. Et puis voilà, bon allez je vous reprends plus tard. Donc voilà, j'ai eu Vincent, là je recharge pour Vénissieux 69. Je charge dans un truc de marbre apparemment, donc granit, je sais plus, non granit je crois, enfin bref, de la pierre quoi. Et puis voilà, donc comme vous avez pu voir, j'étais vidé à mon client d'avant, on a vidé à la grue hein. Donc j'ai juste filmé vite fait, alors je vous mets deux trois morceaux de vidéo. Et j'ai pas pu filmer plus parce qu'il fallait que voilà, fallait que j'aille à défaire en fait, donc je filme vite fait juste pour faire voir. Donc la grue c'était une 100 tonnes et apparemment bah, chez eux ils ont tout quoi, et ils ont une de catégorie 3, il m'a dit, alors je sais même plus le poids qu'il m'a dit, mais c'est un truc de malade. Je l'ai vu, elle partait quand j'arrivais en fait, et elle allait sur le chantier de l'EPR en fait aussi. Donc voilà, donc là je suis parti direction pour mon chargement, je suis à 194 km. Donc je vais y arriver, je vais y arriver tard en fait. Bon, on verra bien. Je vais arriver tard, je vais arriver à midi, à 13h quoi. Et puis ben voilà, quoi dire d'autre, sinon il fait beau, hein, mais bon, ce matin quand je me suis levé, il y avait 9. Ah ce truc. Il y avait 8 degrés. 8-9 degrés, je sais même plus exactement. Et là il fait 17 degrés. Avec un grand soleil, 17 degrés. Donc voilà. Donc c'était la première fois que je venais dans le coin. Voilà, c'est une région que je connaissais pas. Ben, pas jusqu'en haut, pas jusqu'à Cherbourg, quoi. Mais bon, là, voilà, c'est chose faite. Hein. Chargé à 27 800 tonnes, je suis en train de me dire, parce que je suis en train de me dire, il monte pas, mais oui ça grimpe. Dans 2h30 je ferai un quart d'heure de coupure parce que là on est mardi. Et ma vidéo est pas finie. Faut que je mette la miniature et faut que je mette le titre et tout ça, et je l'ai pas fait. Donc faut pas que j'oublie quoi. C'est toujours bien vert hein, par rapport à chez nous. Pouah. Ah, c'est sûr que quand tu regardes la télé ici là, puis qu'on parle de primes de sécheresse des agriculteurs, tout ça, bah tu te dis mais putain c'est des voleurs. Il n'y a
pas de sécheresse chez eux par rapport à chez nous. Et moi je sais pas, chez moi il n'y a plus. Ma pelouse elle existe même plus, elle est comme ça là, voilà exactement. C'est ça. Elle est complètement cramée, il n'y a plus un bout de verre. J'adore ça, j'adore ces paysages là, c'est con mais j'adore. C'est tout vert, il n'y a que la route. Ah, il y a une maison. Donc en fait j'arrive chez mon client, c'est une grande boutique, hein. Vous voyez, il y a plein de trucs, et on charge sur une borne de la route. Et après on parle de sécurité tout le temps. Donc là je suis dans l'entrée du portail, donc il me charge côté gauche, et pour le côté droit en fait il me fait avancer et lui sort sur la route avec son frein. Chose qui est super logique quoi. Ah bon. Après on parle de sécurité. Je trouve ça un peu con quoi. Donc bah là il est 14h30, je repars de chez mon client. Je suis arrivé, c'était 13h15 par là. Donc, comme vous avez pu le voir, on charge sur la route. Je trouve ça un peu bizarre. Quoi. Bah, en plus, il y a de la place, hein, il suffirait d'organiser un peu mieux. Bah, je trouve ça bizarre. Oui et non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on nous embête avec la sécurité de partout.
Et là, il passe des voutures, des camions toutes les deux secondes, donc c'est bizarre. Enfin bref, donc là, je suis parti direction le 69 Vénissieux. Et puis voilà. Je vais où là, parce que... C'est pas gagné ce qui arrive à la bagnole toutes les deux secondes quoi. Il y en a un qui avance pas là. Et donc c'est ce que j'étais en train de dire. Je vais essayer de pas vous faire chuter. Donc ouais, je disais, je suis parti direction le 69. Je vais vider ça demain à Vénissieux. Donc là, il me reste 6h30 à rouler. Donc je vais aller jusqu'à, j'en sais rien. Suivant comment ça roule, je sais pas encore. Je vais déjà rouler ce qu'il me reste. Je vais rouler jusqu'à trouver une douche déjà. Et après on verra exactement où ça va nous emmener quoi. Ah mange-toi pas toi, non mais froid les gens. Et les gens ils roulent avec des voitures, tu prends peur quand même. Heureusement qu'ils ont pas de camion quoi. Ça j'aime bien, tu vois. J'ai horreur de ça. Bah, c'est con, hein. C'est tout con. J'ai horreur de passer devant un enterrement en camion. En fait, t'as l'impression que tout le monde, tu fais chier tout le monde, quoi. Ça fait du bruit, ça fait. Voilà, je sais pas. C'est mon avis personnel, mais c'est très con, mais je sais pas pourquoi. Voilà. Donc là on va redescendre, je sais même pas trop par où je vais passer. J'en sais rien. Ernée, je vais redescendre sur Ernée, Laval. Je vais recouper à travers sur Tour. Et puis après, comme toujours. En gros, ça va être ça. Allez. Mercredi matin, et là j'ai 9 heures de coupure. Je vais faire un tour vite fait et on va y aller après. Comme toujours, hein, fais un tour vite fait. Et puis on va y aller. Des gros crados, hein. Allez. On est parti. Là, on est parti direction le dépôt. En fait, je vais couper à travers par derrière, comme bien souvent, quoi. Et après on va monter direction Lyon quoi. Je voulais m'endormir
serein. Avec des paillettes dans les yeux, je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la vie sera longue, dans toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures. S'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. C'est la nuit par conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées devaient subir, toutes mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, pleurer car